Les meilleurs grimpeurs des armées se rencontrent à Chamonix du 28 au 29 novembre. C'est le championnat de France militaire d'escalade. C'est un bon championnat qui regroupe 90 candidats de toutes les armées, armée de terre, gendarmerie, marine, armée de l'air. Et on n'oublie pas les autres organismes que sont Polytechnique ou le service de santé. Alors l'escalade, elle est au même niveau que les autres disciplines. Elle fait partie intégrante de la préparation physique opérationnelle des militaires. Cette activité sportive est un moyen supplémentaire de cadencer l'entraînement. Les compétiteurs enchaînent les voies. Les difficultés sont au rendez-vous. Ouais, les voies elles sont globalement très bien tracées. Difficile pour nous, parce qu'on n'est pas des compétiteurs internationaux. Mais bon, c'est quand même une belle structure, des très belles voies. On se fait quand même plaisir. On a beau arriver avec le niveau, la moindre erreur, ça ne pardonne pas. On n'a pas le droit à un deuxième essai. Du coup, il faut bien gérer le stress et bien grimper à tout moment, être bien concentré. C'est ça le plus dur. Forte de son expérience, l'école militaire de haute montagne organise ce championnat. Elle aura aussi un rôle à jouer dans une prochaine compétition internationale. Le MHM, au même titre que l'ensemble des corps de la 27e brigade d'infanterie de montagne, a été sollicité pour appuyer l'organisation de ces Jeux mondiaux militaires hivernaux. Rendez-vous donc aux Jeux mondiaux militaires d'hiver en mars 2013 à Annecy pour encourager nos meilleurs sportifs. Chapeau.